Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Ce soir est une émission spéciale. Nous voulons ce soir, au travail des cantiques de chant, élever, magnifier notre Dieu. Voilà, soyez les bienvenus mes amis. Seigneur, nous te confions cette soirée, nous voulons t'élever, t'adorer, te louer par les chants. Et nous voulons aussi partager l'évangile Seigneur, afin que ton nom seul soit élevé, magnifié. Que ton règne demeure parmi nous ce soir, en Yeshua Adonai. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Merci Seigneur. On est vraiment assez nombreux sur le plateau de TV de vie. Donc on a des frères et sœurs voilà, qui sont là et qui ont bel et bien accepté de venir ce soir pour louer le Seigneur avec nous. En tout cas, merci d'être venu. Voilà, merci. Donc on va attaquer avec quelques chants. Notamment ce chant qui dit Abba, toi le Père éternel. Sur la terre et dans les cieux, ton royaume subsiste à jamais. Sur la terre et dans les cieux, ton royaume subsiste à jamais. Sur la terre et dans les cieux, ton royaume subsiste à jamais. Sur la terre et dans les cieux. Alléluia, tu es salué.
Alléluia. Fidèle et véritable. Oh, 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 Abba, Abba. Abba. Oh, Abba. Sois le Père éternel. Oh, Yahweh. Sois loué. Sois loué. Jésus. Oh, oh, fidèle et véritable. Abba, 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 Père. Abba. Sois le Père éternel. Yahweh. Sois loué. Sois loué. Jésus. Oh, fidèle et véritable. Abba. Le Père éternel, sois loué. Oh, oh, oh. Jésus, fidèle et magnifique Seigneur. Le Seigneur est vraiment bon. Qui a reçu ce chant, Anthony? C'est toi qui l'as reçu? Waouh, ce chant vient vraiment du trône. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors je suppose que vous avez d'autres chants. Donc, gloire à Dieu. Majestueux, il est sur la liste aussi, non? Voilà, gloire à Dieu. Seigneur, tu es majestueux et roi.
Seigneur majestueux, Seigneur tu es, Jésus tu es, oh tu es majestueux, Seigneur tu es, Jésus tu es, nous proclamons tu es majesté, oh Jésus tu es, Seigneur et tu es. Majesté, oh, oh, oh.
Tu es magnifique, Seigneur. You can sing. Seigneur, tu es digne de louange. Père, merci. Oh Seigneur, oh Père, créé pour t'adorer, créé pour adorer, pour louer. Voilà Seigneur, nous sommes créés pour cela. Waouh Seigneur,
Waouh. Alors bien sûr, nous sommes dans cette liberté. Si quelqu'un a un cantique, pas de souci. On peut y aller, on peut le partager. Seigneur, tu es magnifique. Quelle présence, mes amis. Waouh. Quelle joie d'être enfant de Dieu. Waouh. Waouh. Jésus, tu es
seul qui se soit cédé sa vie pour. Tu es le seul, tu es le seul, tu es le seul. Célébrer dans toutes les nations, Seigneur. Tu es saint.
Seigneur, merci. Merci Seigneur. On va prendre un passage dans le livre de Psaume. Psaume 150, un passage que nous connaissons tous. Voilà. Alors, je vais demander à quelqu'un, si vous voulez bien. Donc, Héloïse, est-ce que tu peux nous faire la lecture? Psaume 150. Que tout ce qui respire loue Yahweh. Alléluia. Louez Dieu pour sa sainteté. Louez-le à cause de ce firmament qu'il a fait par sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon la grandeur de sa magnificence. Louez-le au son du shofar. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambour et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Louez-le avec les cymbales de cris de joie. Que tout ce qui respire loue Yah. Alléluia. Waouh. Que tout ce qui respire loue Yah. Alléluia. Alléluia. On sait tous que le mot Alléluia veut dire louer Yah. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Et louer, donc Alléluia, c'est briller. Hein, signifie briller. Voilà, vanter. Vous savez, dans Genèse, on nous parle de cet épisode où il est question de la femme d'Abraham, Sarah. On nous dit que les grands de Pharaon l'avaient vanté auprès de leur maître. Ils avaient loué Sarah. Et donc, Alléluia, c'est d'abord le fait de vanter notre Dieu. Mais auprès de qui? D'abord auprès des hommes de ce monde. Voilà. Ben, vous savez, quand on vante quelqu'un, c'est que la personne a quelque chose que les autres n'ont pas. Voilà, donc on va parler de ses mérites, on va parler de ses qualités, tout ça. Et Sarah, notamment, était une femme très, très belle, nous dit la parole. Elle était belle de figure, belle de taille. Et donc, les grands de Pharaon, quand ils l'ont vue, ils se sont dit, non, cette femme, nous ne la méritons pas. Voilà, bien que nous sommes des grands, mais on n'est pas à son niveau. Donc, il va falloir qu'on aille voir justement notre maître qui, certainement, va vouloir l'épouser. Et effectivement, quand Pharaon a vu Sarah, et la parole nous dit qu'elle a prise pour son épouse. Mais cette femme n'était pas pour lui. Pourquoi? Parce que cet homme n'était pas du tout un homme de Dieu. Et cette femme était surtout déjà mariée, elle était prise. Et voilà, donc, Alléluia, c'est vraiment le fait de vanter notre Dieu. Vous ne pouvez pas vanter quelqu'un ou quelque chose que vous n'avez jamais rencontré, touché, palpé, vu. Donc, si nous louons le Seigneur, c'est-à-dire si nous crions haut et fort Alléluia, c'est parce que nous avons vu des choses. Nous voyons des choses et nous verrons des choses. Et quand on voit ce Dieu opérer des guérisons, des miracles, de manière naturelle, sans forcer, on ne peut que le vanter. Voilà. Donc, quand on voit ce Dieu nous garder malgré les épreuves, les combats, les difficultés, nous ne pouvons que le louer. D'ailleurs, la louange, c'est quoi? C'est la conséquence de l'intervention divine. Vous voyez, à chaque fois dans la Bible que les gens avaient loué le Seigneur, ils avaient loué tout simplement parce que Dieu était intervenu dans leur vie. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte et tout de suite Myriam, la sœur de Moïse, va prendre son tambourin et avec toute l'assemblée d'Israël, tous ils vont louer le Seigneur. Et David, pareil, Dieu va intervenir dans sa vie et il va prendre sa guitare, sa harpe et il va se mettre à louer le Seigneur. Voilà. Donc nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vanter notre Dieu. Bien sûr, aussi vis-à-vis des inconvertis, vis-à-vis des religieux et des gens aussi qui prétendent servir le Seigneur mais qui ne sont pas accompagnés par Dieu. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Nous allons prendre notre passage dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse 14. On va lire à partir du verset 1er. Voilà. Puis je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et il y avait avec lui 144 000 personnes, qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel, comme le bruit de grandes eaux,
et comme le bruit d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Waouh. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et devant les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été achetés de la terre. Mais voilà, il y a des cantiques que vous ne pouvez pas comprendre hein, si vous n'êtes pas achetés. Voilà. Donc, par le Seigneur. Et ça, c'est magnifique. On voit bien que ces personnes chantaient. On le voit ici chanter un cantique nouveau. Et on nous dit que c'était des personnes que le Seigneur avait bien sûr sauvées. Et plus loin, on nous dit que c'était des hommes qui étaient purs, des vierges. La louange que Dieu agrée, c'est la louange qui vient d'un cœur pur. Voilà. Et d'ailleurs, le verset 4 le dit, hein, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Voilà. Et ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été achetés d'entre les humains pour être des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de fraude, car ils sont sans tache devant le trône. Voilà. Donc Dieu veut des adorateurs, des gens qui ont un cœur pur, un cœur d'enfant. Et on va voir dans Apocalypse 19 ce qui se passe là-bas, à partir du verset 1er. Après cela, j'entendis dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia wow. !» Le salut et la gloire et l'honneur et la puissance au Seigneur notre Dieu. Vous voyez, donc pourquoi ils chantent? Pourquoi ils louent Dieu? Pourquoi? Parce que premièrement, on nous dit qu'ils ont expérimenté le salut. Donc ce sont des gens qui sont délivrés, qui louent le Seigneur. Bien sûr, tout le monde loue le Seigneur, la nature loue le Seigneur. Tout ce qui est, même les mouches, quand elles nous embêtent, n'est-ce pas? Alors avec leur moucherie, ben, elles louent le Seigneur. Les moustiques, parce que c'est la saison, hein, donc voilà, quand ils nous réveillent parfois là, en nous piquant, c'est pour louer le Seigneur. Donc ils ont expérimenté le salut, la gloire de Dieu, l'honneur, la puissance, voilà. Et donc on continue. Donc au verset 2, car ses jugements sont véritables et justes. Quand Dieu nous, n'est-ce pas, justifie, on le loue. Amen. Parce que ses jugements sont véritable et juste. Car il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par ses relations sexuelles illicites et parce qu'il a vengé le sang de ses esclaves versé de la main de la prostituée. Et ils dirent encore Alléluia et la fumée monte d'âge en âge. Waouh, vous voyez ici la fumée qui monte. Pourquoi? Ben c'est l'encens, la louange. Voilà, que Dieu agrée. On continue. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu, qui était assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et il sortit du trône une voix qui disait « Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, tant les petits que les grands. » J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée et comme le bruit de grandes eaux, et comme l'éclat de grands tonnerres qui disaient « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, a exercé son règne. » Waouh, c'est beau de voir cette expression-là dans l'Apocalypse, hein, « Alléluia, Alléluia ». Et vous savez que c'est dans les écrits de la Nouvelle Alliance, c'est le seul endroit, hein, le seul chapitre où on nous parle d'Alléluia. Et ils vont louer Dieu parce que Dieu va juger la prostituée, et on nous dit que sa fumée va monter d'âge en âge. Vous voyez, donc Dieu va se glorifier au travers de sa justification, quand il justifie ses enfants, quand il juge nos adversaires, quand il confond ceux et celles qui nous combattent, quand il nous guérit, quand il nous protège, quand il protège nos enfants, nos parents, ben on le loue. Que tous ceux qui respirent louent Yahweh, Yeshua, notre Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, alors, le chant que vous chantiez la dernière fois, là, c'était... Waouh, Seigneur, merci. Alors, frères et sœurs, si vous voulez, hein, on a encore quelques minutes qui nous restent. Si vous voulez nous appeler pour éventuellement nous proposer un cantique qui vous tient à cœur, il n'y a pas de souci, on va pouvoir le chanter. Donc, vous êtes libre de le faire. Jésus est pour moi, tout-puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais, merveilleux, mon sauveur.
mon Dieu, mon roi, chantant. Merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, si je chante, c'est parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Si je loue, c'est parce que Yeshua m'a lavé. Je le chante, je le confirme, il est mon papa d'amour. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi, chantant. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour Jésus moi, moi. Tout-puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Préparé, ce grand festin. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi, je chante. Merveilleux, merveilleux, alléluia. Jésus est pour alléluia. Moi, tout-puissant créateur, oh, prince de la paix. Il me sauve, il alléluia. Me garde en lui à jamais. Merveilleux, merveilleux, mon sauveur, mon oh, Dieu, merveilleux, mon roi, Jésus. Sans pareil, puis chantons Jésus mon amour. Jésus, tu es digne de louange. Oh, oui, sur la terre et dans les cieux. Tu alléluia. Es sans pareil. Oh Jésus, agneau de Dieu. Jésus, tu es digne de louange. Acclame de mon cœur, Jésus. Sur la terre et
Alléluia. Ça va être glorieux, glorieux, le ciel. Waouh. Waouh. Juste les voix. Sans pareil. Tu es sans pareil. Sans pareil. Oh, Jésus. Sans pareil. Tu es sans pareil. Sans pareil. Oh, papa. Sans pareil. Tu es sans pareil. Sans pareil. Oh, Jésus. Sans pareil. Tu es sans pareil. Sans pareil. Et l'amour de ma vie. Sans pareil, toi l'époux de l'église, tu es sans pareil. Yeshua, Machia, tu es sans pareil. Oh Jésus, tu es sans pareil. Oh papa, tu es sans pareil. Oh Jésus, tu es sans pareil. Oh Jésus, Jésus est. Jésus, tu es digne de louange, sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Alléluia. Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut monter?
Alors, je ne sais pas si nous avons quelqu'un en ligne qui propose un chant. On a encore 5 minutes. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Très bien, très bien. Oui, que Dieu soit loué, vraiment, je vous encourage en ce que vous faites. On voulait juste, je voulais juste aussi partager un chant avec vous, si c'est possible. Oui, bien sûr. Guten Tag. Allô. Chant de trompette. Allô. Que ton règne vienne préside dans nos cœurs. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons que tu règnes dans nos vies, ô Jésus. Et que ton esprit nous conduise, nous voulons que tu règnes dans nos vies, ô Jésus, et que ton esprit nous conduise, Seigneur. Waouh, gloire à Dieu. Amen. On a quelqu'un d'autre en ligne sur la dernière personne parce que c'est vrai que on va être débordé là. Ah, c'est bon. Gloire à Dieu. Ce chant est pas mal aussi là. Waouh, Seigneur, merci. Un dernier cantique ou c'est bon? Ya ya eh, yo vandi nangwende na yo zambe nanga. Yaya, yo bongi na kembo, yo bongi na kembo, yaya, yo vandi na ngwende na yo, zambe na ta ta ta, oh yaya eh, yo bongi na kembo. Yeah.
boni ona motema nanga umela nzambe na bomo na boni ona motema nanga umela nzambe na bomo na boni ona motema nanga umela umela nzambe na bomo na poni yo na mote mananga oh ya 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 oh obongi na kembo ya ya hey obandi na ngende na yo ya ya zambe na nga oh ya 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 obongi na kembo ya 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 obandi na ngende na Si quelqu'un voulait dire quelque chose rapidement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, mes sœurs, hein? Vous qui étiez un peu hésitantes ou tout ça, là. Alors, on va tout balancer, là. Ça valait à l'Anthony. Là, tu peux le dire aux frères et sœurs, hein, qui sont là. Ah non, franchement, nous avons été surpris hier. Nous étions en répétition ici. Mais voilà, comme ceux qui sont nés de l'esprit sont comme du vent. Et nous avons saisi cette opportunité de passer vraiment des moments comme ça, c'est merveilleux, c'est agréable. Waouh, waouh. Alors je ne sais pas, vendredi, il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Hein. Le soir, si ça vous intéresse, on peut renouveler ça. La soirée, là, on adore le Seigneur, vous partagez vos expériences avec le Seigneur. Voilà, donc confirmez-moi, sinon on se laisse guider. Donc vous voyez cette présence-là, c'est beau. Quelqu'un voulait dire quelque chose avant de finir là, tout ça, Prisca? Tu es encouragé? Oui, bien sûr. Et je bénis vraiment le Seigneur et je nous encourage à vraiment multiplier parce que je pense que ça plaît au cœur de Dieu. Amen. Donc, voyez, vendredi, si vous n'avez rien à faire, juste avant les vacances, hein, je sais qu'il y en a qui partent en vacances, là, non? Donc, vendredi, ce serait pas mal aussi là, de louer le Seigneur comme ça. Il a fait tellement de choses. Les orphelins, comment il nourrit les orphelins, les veuves, les épiceries, tout ça, là.
Alors, c'est bon vendredi ? On va en parler. Il y a des programmes, hein ? Pour le ? Le premier, il y a déjà quelque chose ? Il y a une veillée ? Ah ben d'accord, ok, c'est bon. En tout cas, le 12 et le 13... C'est une réunion de travail ? Le vendredi, c'est le premier ? Oui, c'est le vendredi 3. Ouais ? Ah, c'est le 3, oui, effectivement, le soir. Hein. Ben, on peut mettre ça à 20h30. Hein. Voilà. Bah oui, soirée, adoration, louange, tout ça. Là. C'est bon, hein ? Gloire à Dieu. C'est, voilà, vous allez vous connecter pour... partager ces chants avec nous, louer le Seigneur, il le mérite. Moi, je suis renouvelé. Amen. Voilà. Je sens que là, c'est beau. Merci Seigneur. Héloïse, tu n'as rien à dire là ? Non, je bénis le Seigneur. Hein. Ah. C'est vrai qu'on a tous été un peu pris de court, on va dire. Et on se disait déjà, comment on va faire avec les enfants ? Comment on va gérer ? Et c'est vrai que, en fait, Chora a dit quelque chose qui est très juste. Il a dit... souvenez-vous comment vous faisiez quand il n'y avait pas d'enfants. Voilà. Donc c'est vrai que ça nous a tous un peu secoués. On s'est dit, on va trouver une solution et on s'est organisé un peu à la dernière minute. Mais le Seigneur a fait grâce et puis on est tous là. Et c'est vrai qu'on a passé un très bon moment sur le plateau. On est vraiment tous bénis. Et c'est vrai que, voilà, comme Prisca disait, hein, multiplier, ça peut être bien aussi. Amen, amen. Sarah, ça va ? C'est Sarah, hein ? Sabrina, ça va ? Il n'y avait pas Sarah ici, là ? Non. Que Dieu soit béni, tu vois, il y a deux Sabrina du coup. Tu es encouragé, non ? Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Poupon, tout le monde, Joël ? Hein ? T'es boosté, hein ? Là, tu vois. Ah, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bon, Clince, pareil, hein, t'es encouragé. Tout le monde, gloire à Dieu. Donc, parfait. Merci Seigneur. Bon, à bientôt demain, 19h30, heure de Paris, il y a une émission. Hein, le chant du coq. Et le 11 et le 12, nous serons à Niort pour 2 jours de réunion de réveil. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes invités à ce programme. Donc on sera là-bas aussi avec TV de vie, que le Seigneur soit béni, surtout avec le Seigneur. Merci à l'équipe de TV de vie, l'équipe technique pour votre mobilisation. À bientôt, au revoir. Également les enfants, coucou. Voilà.